Durant le règne latin, l'ancienne basilique de la Nativité, perpétuellement menacée de destruction par les guerres et les envahisseurs venus du désert, se voit entourée de murs massifs et de bâtiments fortifiés imposants. La tour de défense dominant toute la région, l'épiscopat avec la cellule de Saint-Jérôme, et le couvent des Augustins avec le cloître joyau de l'architecture médiévale en Palestine. Les croisés enrichirent la basilique de clocher, tout en réduisant le portail pour renforcer la fragile façade avec une nouvelle porte cintrée en arc gothique. Une grande étoile de cuivre doré fut érigée sur le toit en mémoire des mages. À l'intérieur, la collaboration entre le royaume franc de Jérusalem et l'empereur byzantin permit de rénover le décor en mosaïque qui représente les anges en procession descendant vers la grotte de la Nativité. Les souvenirs des événements de l'histoire du salut sont figurés dans la basilique. Dans l'abside sud, la circoncision de Jésus. Dans l'abside nord, on commémore le lieu où les rois mages se restaurèrent, près de l'ancien puits où serait tombée l'étoile leur indiquant le chemin. Dans la grotte, après que la relique du berceau de Jésus eut été apportée à Rome, une plaque de marbre percée de 3 trous rappelle aux pèlerins qui peuvent la vénérer le rocher où l'enfant fut déposé.